Alors, un très très beau lieu, Régis de Gasquet, vous avez déjà visité? Est-ce que vous connaissez cet endroit, par exemple? Non, je n'ai jamais visité. Il y a eu des soirées quand nous étions jeunes chez Tarazi, mais je ne faisais pas partie de. Des invités? Peut-être des invités à cette époque. Alors, les Tarazi, dites-nous, donc c'était la famille propriétaire de cette belle demeure? C'était la famille Tarazi qui a habité cette très très belle demeure, qui est superbe, vraiment. C'est une famille de. Que faisaient ces personnes-là, justement, je des négociants? Je crois que la famille Tarazi, je crois qu'ils étaient c'était des assureurs. D'accord. Mais voilà, qui aujourd'hui sont connus aussi. Bernard Tarazi était. Un des fils était architecte. Oui. Je crois qu'il y a un de ses fils qui est encore architecte. Voilà, donc. C'est magnifique, à la famille Swatton, je crois, dans des affaires d'assurance. D'accord. Mais c'est vrai, c'est une bastide magnifique. Ouais. Magnifique. Les plafonds sont extraordinaires. Ah, c'est fabuleux. Il y en avait d'autres de bastides que j'avais un petit peu relevées. Oui. C'est la villa de la famille de Verville, mm-hmm. qui a été démolie pour construire la résidence qui est en haut de Daumier, entrée par Commandant Roland. D'accord, plus haut là, on est plus dans les Hautes-Perriers, on peut dire. Non, c'est tout le même pâté, quoi, je dirais. D'accord. Il y a la famille Pradon qui était aussi juste au-dessus de nous, au 85 probablement, qui est maintenant siège de Mutuelle de Provence. Alors c'est dommage parce que finalement ces belles demeures sont devenues des entreprises quelque part n'ont pas trouvé de nouveaux Le collège Monticelli était une maison de famille, la famille Magnan. Il y a la famille Guérin qui était en dessous mais qui est rentrée elle par la rue derrière Villefranc-Puget, qui est maintenant la résidence, je crois, du préfet de police. D'accord. Voilà. Et puis il y avait la famille Beau aussi, qui donnait aussi, et qui était démolie pour faire des constructions. Alors, voilà. Vous avez toujours habité Perrier, vous? Oui. Donc quand je suis né à Saint-Barnabé, parce qu'à l'époque les mamans accouchaient chez leur mère. Et donc, nous habitions en 62 Bois Perrier, qui est donc juste en face de l'actuel ministère du Travail. Donc une belle demeure aussi, vous le disiez? Non, pas du tout. C'est un appartement au 5e sans ascenseur. Mais de beaux appartements en général dans ce quartier, c'était des faut très le dire. Grands appartements qui n'étaient pas... Avec de grands volumes, de hauts plafonds. Oui, des très grands volumes, beaucoup de lumière, on était au 5e. Et alors vous avez pas mal d'anecdotes à nous raconter justement, parce que le quartier a pas mal évolué, a pas mal changé au fil des années. Oui. Et vous vous souvenez, vous, justement, de choses qui vous ont marqué dans votre enfance? Dans l'ordre chronologique, un petit peu, je l'ai vécu, mais pas, je m'en souviens pas, j'étais trop jeune. Donc, l'actuel ministère du Travail a été le siège de la commande en tour à partir de l'arrivée des Allemands à Marseille. Oui. Je crois que c'est passé 42 ou 43. Et à ce moment-là, donc, les Allemands ont institué un laissez-passer à la place de Libre. Donc, pour rentrer chez soi, il fallait un laissez-passer. Mmh. Et donc, je crois que mes parents avaient déjà 5 enfants à ce moment-là, ou 6. Et donc, ils ont fini à 8. Hein. c'est pas mal, bravo. Ouais. Et donc, nous avons déménagé. Pour la France. Mes parents nous ont enlevé de là parce que c'était vraiment compliqué pour, pour les enfants et tout. Bien sûr. Et donc, nous sommes partis à Saint-Barnabé, donc chez mes grands-parents. Ah, d'où le déménagement, d'accord, voilà, c'est pendant la guerre. Voilà. Donc. Ouais. Et après, vous y êtes revenus. Alors, nous sommes revenus et nous avons donc habité cette superbe villa qui est au 83 Boulevard Perrier, mm-hmm. qui est la dernière villa pratiquement qui est habitée par des particuliers. D'accord. Donc c'était une villa qui appartenait à mes grands-parents et qu'ils avaient donnée à leurs deux filles, maman et sa sœur. Oui. Donc nous étions en haut, on était 8 enfants, donc on avait quand même très grosse surface, on avait 300 et quelques mètres carrés, quoi. Et un bon jardin. Et puis notre tante, famille de Bèze, habitait au rez-de-chaussée et au sous-sol. Maison de famille. Maison de famille, voilà. Donc c'est bien de l'avoir conservé, justement. On est arrivé là en 47. Oui. Et les parents l'ont vendu. Lorsqu'ils se sont retrouvés seuls en 72. Mm-hmm. Voilà, et donc ils l'ont racheté, et c'était donc le président de l'OM à l'époque, et c'est une anecdote, qu'il a racheté, M. Leclerc. D'accord. Pour sa fille, Mme Garadec, qui est élue du 8e arrondissement. Ah oui. Et qui vit toujours d'accord, là. D'accord, je vois bien. Voilà. Tout à fait. Et vous n'avez jamais quitté ce quartier. Et alors, donc, du coup, par manque d'imagination, peut-être, quand je me suis marié, j'ai trouvé un appartement au 38 Boulevard Perrier. Oui. Donc, j'ai inversé le 83. Donc, alors, voilà. Pourquoi vous vous y sentez bien dans votre quartier, justement? Qu'est-ce qui vous plaît? Quels sont les avantages, par exemple, de Perrier? La proximité avec la mer, d'une part? Je crois que c'est un peu un hasard. Je crois que c'est le hasard, les disponibilités de logement au moment où moi j'en avais besoin.
Il se trouvait que je connaissais ce quartier, que je l'aimais, donc j'ai sauté dessus. Quoi. Oui. Mais c'est un quartier commerçant aussi, il faut le dire, assez vivant au niveau du, de la rue Paradis, donc il y a beaucoup de commerce. Le lycée Perrier. Le lycée Perrier, bien évidemment. Le lycée Perrier, donc on a une foule de très belles jeunes filles qui passent tous les jours sous nos fenêtres. Et voilà, donc. Et alors dites-nous, au niveau, il y avait quelque chose d'assez marrant que m'avait raconté tout à l'heure, c'était au niveau de la place des Libres en fait, et de l'agent de police, c'est quelque chose que vous avez donc, toujours en mémoire. Il y avait à l'époque, avant les feux rouges, il y avait donc un agent de police qui faisait la circulation, qui avait une espèce de piédestal métallique. Avec, au milieu du rond-point. Oui, au milieu du rond-point. Problème. Mais le soir et le matin, il roulait son truc. Comme on roule un tonneau, hein, pour le mettre de côté, pour pas que les voitures rentrent dedans quand il n'était pas là. Vous l'avez piqué ? Non. Comment ? Vous ne l'avez pas piqué ? Ah non. Ah bon, c'est bien. Et donc, ah non, ça n'a pas permis. Non, nous avions une éducation quand même. Bon, ça va. Civique. Et donc, à Noël, ce policier, qui vivait dans le quartier, hein, ce policier avait une corbeille au pied de son, mais je crois que c'était pas le fait de celui-là, une corbeille dans laquelle cet automobiliste déposait un cadeau. En passant, il déposait un cadeau dans la corbeille. C'est magnifique. Voilà. Ah ouais, et ce policier vit toujours dans le quartier. Je l'ai retrouvé l'autre jour, enfin il y a 2-3 mois. Et je l'ai abordé pour lui dire, voilà les souvenirs que j'ai de vous. Et du coup, on a bavardé un moment. Et donc il m'a rappelé effectivement tous ces épisodes. Et puis il y avait cet agent de la Société des Eaux qu'on appelait Légadier. Légadier. Voilà. Alors je ne sais pas comment ça s'écrit. Je pense que ça s'écrit A-I-G-U. Et je n'ai pas vérifié. Et donc c'était lui qui était chargé de régler les débits d'eau par des petits. Il avait une clé particulière, je pense. Et quand on avait un petit problème, il y avait une boîte aux lettres qui venait. Voilà, pour une époque régler très conviviale en tout cas, hein, où les gens se rendaient service facilement. Voilà. Merci beaucoup Régis de Gasquet de nous avoir parlé de vos souvenirs justement dans ce quartier de Perrier.